Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici le titre de l'actualité. La direction d'ArcelorMittal a tranché à Liège. 1300 emplois directs sont supprimés. Nous retrouvons Nora Khalifi en direct à Flémal. Bonsoir, il était 10h20 ce matin lorsque la nouvelle est tombée, tel un couperet. On est en train de mourir, cette phrase on l'a entendue plusieurs fois tout à l'heure. Le couperet tombe, 1400 emplois vont être supprimés. Les travailleurs ont appris la nouvelle ce matin, ils sont partagés entre colère et déception. Ils parlent de cette journée comme d'un véritable coup de massue. Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous en ce jeudi, un jeudi noir pour l'emploi en Wallonie. Inquiets, beaucoup ont refusé de s'exprimer à notre micro. L'onde de choc est donc terrible pour tous ceux qui travaillent. Coup de massue, gifle. Forcément ici, l'inquiétude est de mise. Récit d'une journée très sombre. Difficile pour beaucoup d'envisager l'avenir. C'est une région qui s'éteint un peu, laissant des milliers de personnes dans l'impasse. Voilà ce que l'on peut dire ce soir sur ce nouveau séisme social. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracées. Leur route sur nos libertés, ils ont juré cracher. Créer un entravera la leur à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparent alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan depuis que des avions se sont crashés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Mais la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que... Vous avez peur pour votre emploi? Ouais, c'est sûr. Ah ouais. En tant que sous-traitant, tout à fait, j'ai peur de perdre mon emploi. Déçu, cassé, anéanti, on comprend plus rien du tout, on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est dur de revenir demain travailler, si on sera là d'ici un mois, deux mois, trois mois, ouais, c'est très dur. Tout est en train de tomber à l'eau, et il va falloir se redresser, il va falloir ne pas rester sur les genoux. Pire que ça, ça ne serait pas. Bon, j'ai une famille, j'ai un petit bébé de 3 ans, et voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas. Ça a été le choc le plus total, le plus total. Il a fallu un certain temps pour s'en remettre, quoi. Donc, on peut se poser des questions aussi sur les autres entreprises et l'avenir de tout un chacun ici en Belgique. La dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. Ataques a muertas!